cooking, kissing. When I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some love tonight, just let me know. Coucou. Ouais, n'importe quoi, ils ont fait que des bêtises. Oula, mais ça frise ici là. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre. On est mercredi après-midi. Enfin midi, il est midi 17. Et on est avec Nolan en train de sortir Fidji le temps qu'il fasse pipi. On s'est mis au parc. Et j'ai pas fait d'introduction du coup ce matin. Du coup, enfin en fait j'hésitais à filmer en fait, pour tout vous dire. Parce que j'ai rien de particulier à faire et que j'ai pas fini mon montage d'hier. J'ai pas fini du coup le montage avant-hier et j'ai pas envie de vous mettre des trucs après qui datent de ma mise à l'aime. Donc en général j'essaie de pas trop, enfin là en ce moment surtout j'essaie que ce soit assez, même si c'est pas aussi souvent, j'essaie de vous mettre des trucs un peu plus récents. Oui mon chéri, ça glisse mieux. Ouais bah tu m'étonnes. Non mais fais gaffe parce que bon c'est pas les bonnes chaussures là, ok. Donc là du coup je suis dehors avec mon chien, on se promène avec, enfin je laisse faire sa petite commission. Oh non, me dites pas que la voisine elle va venir jusqu'ici. Ah bah oui, je crois. Bon, j'arrive. Fidj. J'aime pas les voisins, mon Fidj, comme moi. Allez, arrête un peu tes bêtises, viens là. Ah ça, c'est ça, c'est petit mais c'est chez lui. Un coup de chatouille et c'est fini. Essaye. Non, non, non. Moi, je sortirai pas. Non, mais allez, Nono. On va y aller parce que maman, elle a faim. Bon, du coup, j'étais en train de vous dire que j'avais ma voisine qui est venue squatter. Elle est venue me dire des trucs en plus qui n'étaient pas spécialement intéressants. Mais bon, bref. C'est pas grave. Ouais, elle est venue me dire qu'en gros, elle pensait que j'étais pas là, que j'étais pas celle que... Enfin, je pensais que c'était une autre personne. Du coup, elle a commencé à me taper la chat, je trouve pas grand-chose. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Du coup, là, on est avec... Oh, ça souffle trop, je sais pas si vous allez m'entendre. J'ai peur que ce soit... que le son soit trop... trop assuré, enfin trop... Donc là, je... Oui, j'ai pas fait d'intro ce matin. Puis finalement cet après-midi, bah, vu qu'on est un petit peu sorti et qu'il fait beau et que bah, ça souffle un peu, hein, mais au départ ça soufflait pas, je me suis dit que c'était pas mal qu'on filme un petit peu, sachant qu'en plus de ça, cet après-midi je finis à 16h30, donc en gros j'ai que 2h30 de travail et après j'ai mon après-midi. Je finis à 16h30, donc c'est pas la fin de journée non plus, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, même si j'ai rien de particulier à vous dire. On va peut-être essayer de faire du drone à la maison, parce que bah, vu le vent qu'il fait, je pense qu'à l'intérieur, à l'extérieur ça va être compliqué. Mais déjà, faut qu'on essaye de le faire fonctionner comme il faut, parce que ben, pour le coup, hier, on a compris comment il fallait plus ou moins l'allumer, mais au niveau du contrôle, c'est pas du tout ça encore. Donc il faut qu'on voie ça encore et qu'on s'entraîne, voilà. Et j'espère qu'il sera pas... Moi, j'ai pas envie de... Enfin, on essaie de faire ça bien, parce que ben, comme c'est un cadeau de mon frère, j'aimerais bien qu'il puisse le tester avec nous ben, avant qu'il soit cassé. Même s'il a l'air d'être pas mal costaud et qu'en plus de ça, il y a deux batteries avec. Il y a deux batteries et un rechange d'hélice. Et mine de rien, c'est quand même pas rien. Et enfin, je trouve qu'il est bien fait. Il va hyper vite aussi. Je trouve, après c'est mon avis. Je m'y connais pas franchement en drone, mais je trouve que c'est franchement une belle, un beau petit cadeau de la part de tonton, qui n'était pas spécialement. Enfin voilà, il n'y a aucune raison particulière. Donc, de toute façon, Loulou, tu le sais. Hein, si tu passes par là, merci. Nolan te l'a déjà dit et compte te le redire la prochaine fois que tu viens. Et il a vraiment hâte que tu puisses venir d'ailleurs pour pouvoir le tester. Ou alors de lui de venir, hein, clairement. Donc à voir, faut tester, faut déjà qu'il le prenne bien en main, donc on verra ça plus tard. Mais ouais, du coup aujourd'hui je pense que ce sera plutôt à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, parce que ça souffle beaucoup et bah, il est assez léger, même s'il va vite, il est quand même assez léger et j'ai peur qu'il parte un peu dans les arbres, là, vous voyez. Voilà quoi. Bref, du coup je vais remonter, je vais récupérer mon chien qui est parti à Bubble Party là-bas, je sais pas où d'ailleurs. Et voilà, je vais aller manger et après bah, je vous reprends bah, tout à l'heure. Il faut que je fasse du montage cet après-midi. Ce sera peut-être ce soir du coup, parce que comme j'ai le nono avec moi, on verra. Mais on verra, ça dépend. S'il est occupé à autre chose, je le ferai. S'il est occupé à rien, bah, clairement c'est Nolan qui passe d'abord et les montages après. Donc on verra en fonction. Voilà pour le début de la journée en tout cas.
Bon, finalement, je vous reprends que maintenant au moment où je dois sortir, où je dois reprendre le boulot. J'ai même pas 5 minutes pour vous parler. Je me suis refait un ongle parce que le brillant là s'était enlevé. Enfin, en gros, la couche n'avait pas tenu. Ce qui fait qu'il était très fragilisé et je sentais que j'allais en gros le casser. Donc, je l'ai refait directement. J'ai reparfait les autres, hein, ça sert pas à grand chose. En plus, j'attends d'autres vernis dans pas longtemps. On va dire que c'est les délais AliExpress, donc ça se trouve, ça peut arriver dans 3 semaines. Mais. J'ai repris des vernis, donc j'attends d'avoir les autres. Non, pas ça. Merci. Yes. On montrera après, chérie. Je vais vous montrer vite fait, par contre. J'ai tout mis dans mon ancienne boîte que je savais qui me servait de vanity pour Nolan. C'était une boîte, c'est un vanity BABA que j'avais. J'ai tout mis mon matériel dedans depuis que j'ai fait mes commandes sur AliExpress. Du coup, j'ai hâte de recevoir les autres vernis que je vais recevoir et tout. Comme ça, j'aurai une boîte vraiment complète. Et puis, si je continue comme ça, pourquoi pas en mettre d'autres dans ma boîte ou changer la boîte. Mais pour l'instant, celle-ci me convient très bien. Donc du coup, je suis contente. J'ai refait mon vernis. Voilà. Je suis pas... Voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais y arriver. Et puis, je voulais revenir vite fait sur la ponceuse. Parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, tu me fais peur avec ce truc. » Mais en fait, c'est... au départ, c'est compliqué. Je dirais même que... même moi, je me suis dit « Oula, je suis pas certaine de l'utiliser finalement. » Et en fait, faut avoir le coup de main, je pense. Une fois qu'on a trouvé le coup de main, ça va. Ça va. C'est pas pire que... C'est pas pire. Bon, sur ces petites paroles, je vous laisse. Je vous reprends à 16h30 parce que je travaille dans 4 minutes. Et il faut quand même que je dise mes notes avant de reprendre. J'ai une tête de folle. Je viens de finir de bosser. Je viens de... tout éteindre, ça y est. Oh non, Nolan a goûté en 2-2. Hein, j'ai l'impression que j'ai l'appareil. Tu l'as enlevé, hein, l'appareil. Ça y est, je viens de finir de bosser. Il a pas de goût. Il a pas de goût, ouais. Non. Ça m'étonnerait qu'il ait pas de goût. Sérieux, il a pas de goût. Bah, il a peut-être moins de goût que les autres, mais il a forcément du goût. Donc là, j'ai fini de bosser. Il est 4h30. Je vais commencer à regarder un petit peu à droite à gauche ce que je peux faire pour la routine du soir. Parce qu'après, clairement... ça va être encore la folie, un peu comme hier, puisque hier bon, après ça va parce que ce soir il n'y a pas Pékin Express, il n'y a que la villa des cœurs brisés et les Marseillais, donc ça fait un petit peu moins de choses à faire, à regarder en tout cas, donc je vais avoir peut-être un peu plus de temps au pire à rattraper, mais il faut quand même que tout soit fait de façon à ce que je puisse être disponible après pour mes petits feuilletons préférés. Donc je vais déjà ranger mon bazar là parce que j'ai tout laissé là tout à l'heure. Je vais regarder les machines aussi parce que je crois qu'au niveau des machines il faut que je me bouge un petit peu. J'en ai lancé mais voilà, je me suis stoppée un petit peu dans mon élan. Et il faut que je regarde aussi quelque chose avec toi Nono, la Switch, c'est bon? Non, je l'ai remise. Tu l'as remise? Ouais. Tu l'as rangée? Ouais. Ok, par contre... ouais, vaut mieux, ouais, tout de suite maintenant surtout. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, mais il faut pas la rebrancher, Nono, elle va jamais se... Elle va jamais... Alors, le switch de Léa, il a voulu y jouer. On l'a allumé. On a voulu sélectionner Ring Fit Aventure. Enfin bref, le jeu que Nolan voulait faire. Et elle a bugué sur ça. Donc, clairement, je sais pas ce qui se passe. On a essayé de la rallumer, de la rééteindre, ouais, de cliquer sur autre chose. Ça marche pas du tout. Donc là, je vais la laisser comme ça. Faut juste la laisser... Faut pas la rebrancher, parce que sinon, ça la recharge. Mais ça veut pas dire qu'elle va se... Qu'elle s'éteigne en fait, parce qu'elle est restée vraiment buggée sur ça. Elle chauffe un peu, enfin elle chauffe un peu, je pense que ça c'était parce qu'elle était sur le chargeur. Ça a dû charger, enfin, ça a dû chauffer parce que ça chargeait quoi, tout ça. Enfin elle chauffe un peu, elle brûle pas non plus, hein, je la prends à la main large. Mais pour le coup ouais, il a voulu jouer cet après-midi et puis ben, il a pas pu. Il va falloir que je commence à m'occuper des fringues de Léa parce qu'elle a plein de trucs qui lui vont plus et que je vais, je pense, mettre sur Vinted. Je sais même pas si j'ai encore, enfin si mon compte est encore valable, mais il va falloir que je m'y colle parce qu'il y a des trucs qu'elle a jamais mis et qui franchement mériteraient, enfin qui pourraient largement être mis par quelqu'un d'autre. Genre, je sais pas, je pourrais vous montrer par exemple. Ça c'est une petite combi, ben voilà, tout simple, tout bête, une petite combi avec des petites bretelles comme ça qu'elle a dû mettre genre une fois, et encore je me demande si elle l'a mise, je crois qu'elle a dû la mettre une fois, voilà, qui ne lui va plus, hein, du coup ces petits t-shirts comme ça là, ces petits chemisiers comme ça, pareil, elle ne les met plus. J'ai des trucs encore qui sont encore plus petits qu'elle ne peut plus mettre, du coup par exemple ce petit gilet qu'elle a mis une fois pour un mariage. Hop, cette petite robe comme ça là qu'elle a. Par contre celle-ci elle l'a beaucoup mise, mais elle est trop mignonne, elle est très très bien pour l'été.
Il y a d'autres petites choses. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ben sa combi. Ah mince, elle est à l'envers, je ne vais pas pouvoir vous la montrer, mais parce que j'ai un petit peu la flemme de la remettre à l'endroit. Et vous voyez, ça fait partie des trucs qu'elle n'aimait plus du tout. Elle a sûrement d'autres trucs là. Ah ben, c'est le fouillis. Je ne sais même pas par quoi commencer. Ouais, bon, je vous montrerai ça un autre jour du coup. Mais ouais, il y a plein de choses qu'elle n'aimait plus parce que ben, ça lui va plus. Et que ben, clairement, on pourrait revendre sur Vinted. Bon, pas pour grand chose, hein, parce que ben, voilà, c'est de... déjà c'est du seconde main, mais en plus de ça, ben, sur Vinted, c'est pas pour les acheter plus cher que sur le magasin. Hein, ça paraît logique. Mais ouais, ce serait. Faudrait que je m'y colle. J'ai un peu la flemme, mais faudrait que je m'y colle. J'y ai pensé, je sais plus quand, et puis je me suis dit, ben, ça serait pas mal qu'on le fasse. Mais ouais, faudrait que je m'y colle. Et je sais même pas si j'ai un compte Vinted, qui est encore valable. Enfin, je sais pas si c'est pas, j'ai pas clôturé le compte parce que j'avais rien de particulier à mettre dessus. Bref, on verra bien. Je verrai en temps et en heure. Pour l'instant, je ne sais pas. Vous remarquerez que tout est ouvert encore, comme d'habitude, parce qu'en ce moment il fait hyper bon. Alors, il y a du vent. Le vent est un peu frais, mais à la maison, franchement, c'est largement correct. Donc, bah, ça fait du bien, un petit peu. Voilà. Hop. Tu ranges ? Oui. C'est bien. Je vais aller faire mon linge et puis ben, on se retrouve plus tard. C'est l'heure de la villa des cœurs brisés. Bon, ça fait un petit moment que ça a commencé déjà, mais je m'y suis mise que maintenant parce que j'ai commencé une nouvelle série. C'est toujours là pour toi, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, je suis en train de faire à manger en même temps. Aujourd'hui, je fais de la Shoah. Enfin, hein, déjà tout fait. La Shoah tout fait avec du riz. Voilà. Les garçons vont mettre la table dans pas longtemps et on va manger juste après. Je vous filme pas parce que ben, je suis en train de regarder, je peux pas être partout. Hein. En plus, Chouchou est rentré hyper tôt. Ouais, je suis en train de regarder. Il est. J'allais vous montrer quelle heure il est, mais là on voit pas. Bon, bref, de toute façon, il est 7h. Il est poussière, il doit être 7h. 6h30, quelque chose comme ça. Ah, il est 7h. Donc, on devrait pas tarder à manger là. Chouchou, il est rentré super tôt et du coup, ben, je me suis posée. Je me suis dit, bon, s'il est là, je peux me poser maintenant. Plus ou moins. Et du coup, ben voilà. Résultat, j'ai regardé. J'ai commencé. La saison est toujours là pour toi. J'ai regardé le premier épisode. Je me suis lancée dans le deuxième. Puis après, j'ai vu que c'était un peu l'heure de se bouger les fesses. Donc bah, j'ai stoppé. Je regarde la Villa des Cœurs Brisés. Après, les Marseillais pendant le repas. Et après, bah, on verra plus tard le reste. Je non, tu te brosses les dents. Tu parleras après, Nolan. Allez, on frotte. Il frotte bien. N'oublie pas de remettre ton appareil. C'est bien, mon chéri. Merci. Oui, mais je te crois, il n'y a pas de soucis. Je suis même pas droit. Hein. Ouh là là, mais on a oublié de fermer la fenêtre. Bon, on ne dort pas avec la fenêtre dans la chambre quand même. Hein. Mais on dort avec la fenêtre de la cuisine presque ouverte de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça commence à venir. Et il fait pas si froid que ça dehors. On aurait presque pu. Enfin, moi, ça m'aurait pas dérangé de dormir la fenêtre ouverte. Mito. J'attends Chouchou. Mito. Bah, je m'en fous parce que je me couvre. Ah, c'est sûr. Ah bah oui. Jusqu'en haut de... Mmh. Voilà, au front. J'attends Chouchou pour lui faire son petit... Voilà. Et après, je vais regarder la suite des Marseillais. Et encore, je suis même pas sûre parce que comme j'ai dû couper en plein milieu de repas parce que Nolan... ça commençait un peu à partir en cacahuète. Finalement, ça s'est bien passé. Mais du coup, j'ai tout coupé. Donc, ça se trouve, je regarderai demain. Et puis tant pis. Hein. Tant pis. Oui, ça fera dans le dos. Ça fera dans le dos. J'ai des frissons. Tu vas faire le câlin pendant mon œuf. Hein? Je peux pas me masser tout seul. Hein. Viens, mais les clés, les gars. Et c'est pas marqué séance de massage gratos. Hein. Hop là. Comme ça, si j'ai envie de danser, je vais sur ma serviette. Bon, bah, c'est le tour de Nono pour le massage. Allez, mets-toi bien par contre. Oh, enfin, quoi que là. Oh, c'est. Je te masse pas par-dessus ton petit pull là. Hein. Je te mets le dos tout nu. Allonge-toi bien. Massage, hein. Un vrai massage, hein. Pas n'importe comment. Avec la crème. Non, pas avec la crème, on n'a pas le temps là. T'es pas très bien mis là, t'es un peu de traviole. Hein. Il faut mais se mettre droit. C'est hein. Quoi, c'est doux? Bah ça suffit. Hein. On fera mieux demain, si on a plus de temps.
Ok, nounou. Et moi qui fais encore plus longtemps un chouchou. Tu veux te voir? Plus près. Allez, zo, zo, zo. Au paddock. Il n'aime pas ça. Ça va? Ah, oh, pardon, il a giclé. Laisse, reste là. J'arrive. T'as enfoncé la main. Je l'ai jeté. Ouais. Il a fait un vol plané. Ouais. Il est là. C'est bon, je l'ai trouvé. Le pauvre. En même temps, ta couette, elle était à l'envers. Alors, il a fait un vol. Voilà. Ah, heureusement qu'il n'a pas plané. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. Le tempo. T'aimes fort, mon bébé. Merci. Je t'aime à la folie. On m'a montré là. Je t'aime à la folie pour toute la vie. Merci. Café. Allez, bonne nuit, mon cœur. Demain, école, c'est parti. On reprend le rythme de l'école. Hop. Demain, le bus, mon petit coco. Et tout seul. Tout seul, mon petit coco. Yeah. Allez, dépêche-toi. Bonne nuit, mon ange. Bonne nuit. À demain. Demain. Fais des beaux rêves. Des beaux rêves. Hello. Entendez ces oiseaux qui cuicuitent. Écoutez-moi ça. Il fait trop bon dehors. Il fait je sais pas combien, mais on est en pull. Et il est même pas 8h du matin. Trop de bonheur. Je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Ah, bref, hier apparemment il faisait 10 degrés de plus que la normale. Et bon ben ça fait longtemps, enfin ça fait un petit moment déjà que je me dis qu'il fait chaud. Mais là pour le coup c'est vraiment ressenti de chez ressenti. Donc c'est plutôt cool et agréable. Je commence dans 3 minutes, je viens d'aller déposer Nolan à l'école qui a repris du coup le chemin de l'école une bonne fois pour toutes. Je me prendrai un jus de fruits, ça va me faire du bien. Hop. Hop. Un verre, pas trop grand, on va prendre un petit mug. Voilà, et ça ira bien. Voilà, donc un petit verre de jus de fruits, ça va me requinquer, même si je suis déjà pas mal réveillée. Il fait trop bon, vraiment trop trop bon. C'est hyper agréable. Trop, trop de bonheur. J'espère que ça va durer. Parce que bon, en général, quand on a du beau temps derrière, on se prend beaucoup de pluie. Je vais peut-être allumer les lumières, c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai oublié de clôturer hier, donc ça va être un... Je vais faire un cumul des deux journées, même si aujourd'hui je vais pas faire grand chose, sachant que je suis toute seule à la maison cette fois. Entre mes pauses, je vais faire que manger et me poser tranquille. Je vais peut-être faire un peu de rangement et tout, donc rien d'intéressant. Mais voilà, comme je l'ai pas clôturé, vous aurez ma journée d'aujourd'hui avec. Donc là, je travaille de 8h à 17h. Et j'ai une pause de midi à 14h, si je dis pas de bêtises. De midi à 14h, voyons. Ouais, c'est ça. Non. Oui c'est ça, de midi à 14h, donc je fais 8, 12, 14, 17 horaires de bureau qui me conviennent largement, voilà. Bref, allez, sur ce il me reste 3 minutes, je vous laisse et je vous reprends sur le temps de midi, mais pas hyper longtemps quoi. J'ai fini ma matinée, je reprends du coup de 14 à 17 et il faut que j'appelle ma maman qui m'a appelé ce matin, que j'ai même pas vu son appel, j'étais tellement concentrée dans le boulot que je l'ai même pas vu son appel. D'habitude j'ai toujours le téléphone pas loin et puis prête à bondir dessus si besoin.
bien que quand je suis concentrée sur quelque chose, le téléphone, je le zappe complet. D'habitude, comme je l'ai pas loin, en fait, je le vois, mais sinon, c'est vrai que quand j'ai le nez dedans, je le vois pas du tout. Bref, là, il va falloir que je l'appelle, il va falloir que je me lave les cheveux aussi. J'ai fait exprès de les laisser traîner comme ça, mais du coup, ils sont très très sales. Mais ils graissent hyper vite, c'est une horreur, je supporte plus. Il va vraiment falloir que je fasse une couleur, pas une couleur. Un truc sur mes cheveux parce que du coup j'aurais bien apaisé le cuir, enfin assécher le cuir chevelu parce que c'est juste une horreur, c'est tous les deux jours et encore c'est presque tous les un jour et demi quoi, donc c'est pas possible, c'est plus possible. Bref, je vais appeler ma mamounette, je vais commencer à me faire mon petit repas. J'ai prévu du poisson ce matin, ce midi, enfin du ce midi et ce soir hein, puisque je suis clairement la seule à manger du poisson à la maison. Et ce soir, ah oui je voulais faire ça ce soir, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Et ce soir, normalement, j'ai prévu des lentilles. Je suis pas certaine d'avoir le temps. C'est pas franchement le temps, hein, parce que aussi il fait beau. Et que des lentilles, c'est plutôt un repas chaud. Il est juste là. Il veut se frotter à mon. Il se frotte à ma languette d'appareil photo. Bref, oui, donc je vous disais, les lentilles, c'est pas franchement le moment. Et encore, il n'y a pas spécialement de moment. On peut se faire une raclette en été après tout. Mais ouais, les garçons m'ont demandé des lentilles, des saucisses lentilles, donc je vais leur faire. J'ai sorti du coup les saucisses hier. Tu me perturbes la minouche, j'y arrive plus. Donc il faut que je sorte des lentilles pour les mettre, pour les préparer pour ce soir. Et il faut que je me fasse mon poisson et il faut que j'appelle ma maman. Je vais commencer par appeler ma maman et en même temps je ferai tout ça parce que sinon ma maman je vais la garder 3 jours au téléphone et le reste va pas avancer. Je vais voir ma mamounette, je vais voir ma mamounette. Je l'ai appelée, elle était action. Donc elle m'a dit tu veux quelque chose? Je lui ai dit non, j'ai à part des cochonneries, j'ai besoin de rien. Donc elle m'a dit non, tu dois maigrir, machin truc bidule. Donc je te prends rien. Ok, j'ai dit très bien, pas de soucis, le soussaille. Bon après si j'ai vraiment envie je m'achèterai quelque chose de toute façon. Et elle arrive en fait parce qu'elle veut que je prenne soin d'elle. Donc je vais prendre soin d'elle. Hop. Et du coup elle est passée, elle a appelé ma petite sœur aussi apparemment. Je sais pas si elle a eu ma petite sœur du coup, mais elle m'a dit je suis passée devant chez toi, tu répondais pas. Je suis passée devant chez Nana, c'est ma sœur. Elle m'a dit elle m'a rien dit après, elle m'a dit et du coup là je suis action. Donc je sais même pas si elle a eu ma petite sœur au téléphone, bon on en discutera tout à l'heure. Mais en gros elle s'est dit bon ben quitte à passer autant aller voir mes filles. Et du coup et ben voilà, on en est là. On en est là. Je vais regarder je vais faire mon. Donc là je suis en train de faire chauffer, revenir un peu de beurre pour faire mes pavés de truite. Et j'ai mis du coup mes lentilles à chauffer pour ce soir. Enfin à gonfler en fait pour ce soir. Je sais pas à quoi ça sert réellement. Je crois que c'est pour gonfler les lentilles. C'est ma maman qui m'avait dit de faire ça. C'est ma maman qui m'a donné la recette d'ailleurs pour les saucisses lentilles. Du coup je ne reproduis que ça. Hein. Me demandez pas pourquoi, ni parce que, ni machin du tout. Voilà, je fais ce qu'elle m'a dit, je suis à la lettre, comme ça au moins je suis sûre de ne pas me planter et elles sont bonnes. Donc voilà, je vais mettre mon ordinateur en route pour regarder ma petite série. D'ailleurs, j'ai vu que Isa, tu m'avais envoyé un message, répondu à un commentaire sur un des derniers vlogs pour me dire qu'il fallait que je regarde absolument une saison, enfin qui pourrait me plaire, en tout cas c'était toujours là pour toi. Et effectivement, avant même que tu me le dises, j'avais commencé la série, mais peut-être 2 heures avant. Donc comme quoi, je vous dis, on est connectés les deux, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, enfin, j'ai jamais été aussi... j'ai l'impression que c'est elle, enfin, que elle, c'est moi, et que... Enfin bref, on fait tellement les choses pareil, en fait. À quelques jours près, nos vlogs, ils se ressemblent. À quelques jours près, on fait la même chose sur nos journées. À quelques jours près, on pense la même chose. C'est un truc de fou, mais je vous jure qu'on fait pas exprès. Et à chaque fois qu'on en discute entre nous, on est toujours hyper étonnés, quoi. Mais ouais, pourtant, on discute de temps en temps quand même en dehors. Pas énormément, parce que je pense qu'on... Enfin, elle comme moi, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin d'être en contact H24. Enfin je pense, après tu me diras si je me trompe, mais enfin, en tout cas moi je ressens pas spécialement le besoin de venir te parler tout le temps, mais je sais que je peux compter sur toi et inversement, enfin je sais pas, on a commencé plus ou moins en même temps je crois, toutes les deux, et ouais à chaque fois, depuis le début de toute façon, il y a toujours un truc qui fait que j'ai l'impression de me voir en fait dans ces vlogs, dans ces conneries, dans ces habitudes de travail, de maison, enfin bref de tout. Et inversement c'est pareil pour, enfin j'ai l'impression que c'est pareil, enfin bref, je vous fais un petit micmac, mais en gros c'est ça quoi. Et donc bref, tout ça pour vous dire qu'en gros elle m'a proposé une série que finalement j'ai regardé une heure juste avant, que j'ai commencé juste une heure avant, et ça c'est encore un truc de fou quoi.
Là là, je vous jure, ma vie est palpitante. Ma vie est palpitante. Donc là, je vais l'allumer, je vais regarder du coup le deuxième épisode que j'ai commencé du coup hier. Hop, et en même temps, je vais faire mon petit poisson tranquillement. Et puis après, ma maman va pas tarder à arriver. Il faut que je sorte mon chien aussi, donc je m'en occuperai tout à l'heure. Je vais pas le sortir tout de suite, mais bon, je pense qu'on ira juste après ou quand elle va arriver. Elle va sûrement me faire klaxonner, donc je descendrai avec elle. Ça dépendra où en est mon poisson parce que je peux pas être partout non plus. Et en fonction, ben voilà, je ferai ça au pif. Donc du coup, je pense que je vais vous laisser. Enfin, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Ouais, je vous reprendrai peut-être ce soir, mais pour clôturer le vlog, quoi, parce que ça ce midi, je pense que ça va être compliqué de vlogger avec ma maman. Bon, pas qu'elle a pas envie. Enfin, je sais pas. Je pense pas qu'elle a envie de se faire filmer non plus spécialement. Mais disons que je vais tellement, ça va tellement courir parce qu'à 14h pile, faut que je sois vraiment devant le boulot. Que va falloir qu'on fasse vite, quoi, si on veut prendre soin de. Enfin, s'il faut que je prenne soin d'elle. Donc voilà, à tout à l'heure. Un peu le temps que. Hop là. Bon, je suis avec Nono. On a mis la table, on a déjà commencé à plus ou moins manger. On attend Chouchou qui devrait pas tarder. Du coup, j'ai bien fait de pas vous prendre plus tard après parce que ma mère elle est arrivée, mais juste pour un quart d'heure parce qu'elle est passée chez ma soeur avant. Ce qui fait que bah, du coup, je l'ai vu qu'un quart d'heure même pas. Et après, elle a dû repartir. Elle a dû repartir quoi. Donc, j'ai pas pu faire grand chose avec elle. J'ai fini du coup à 5h, j'ai fait directement le repas, oui à 5h, oui et j'ai directement fait le repas, du coup tout est prêt, les saucisses lentilles sont prêtes, vous voulez que je vous montre, enfin même si vous voulez pas de toute façon je vais vous montrer. J'ai fait the plat de lentilles, hop je vais mettre ça juste dessus, voilà ce que ça donne et ça sent méga bon, ça sent bon les lentilles donc je suis trop contente, j'ai réussi mon plat. Du coup alors, on attend plus que Chouchou qui devrait pas tarder, je suis en train de regarder la Villa des Cœurs Brisés et et je vais pas tarder à regarder les Marseillais parce qu'il est déjà 7h-10. Chouchou n'est toujours pas rentré. Et à mon avis, il est sur le chemin du retour. Hein, mais ça doit être un peu complexe encore de rouler. Donc voilà, il a fait encore méga bon aujourd'hui. Je suis sortie tout à l'heure avec Fidji. C'était un bonheur. Vraiment un bonheur. Enfin voilà. Du coup, je vais clôturer le vlog ici parce que je vais rien faire de plus ce soir. Ah si, j'ai refait encore. Franchement, je crois que mes ongles, ça va être ma nouvelle passion. Je me suis refait. Enfin, j'ai encore des ongles qui se sont décollés. Et en fait, dès que ça se décolle, comme mon ongle il est fragile en dessous, et ben je remets direct du vernis. Donc là, j'ai remis. Bah, c'est celui-ci, c'est l'index que j'avais de décoller plus ou moins. Et du coup, bah, j'ai remis des paillettes dessus. Vous voyez jamais rien, c'est chiant. Hop. Voilà, j'ai remis du coup de la paillette. J'attends, enfin pour l'instant je reste sur cette même couleur, à part le fait que j'ai remis de la paillette sur celui-ci alors que j'en avais pas sur l'autre. J'ai hâte de recevoir les autres vernis en fait, j'ai trop trop hâte. C'est pour ça que je garde cette couleur pour le moment. Il faut que je me prenne du dissolvant aussi à Lidl peut-être. Quand est-ce que j'irai? Ben, je pense que j'irai ce week-end faire les courses. Parce que ben, le problème c'est que il y a toujours une petite couche. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a toujours une petite couche collante en fait sur le vernis. Et ben, moi j'ai plus, il me reste vraiment 2 gouttes et demie, même pas 2 gouttes. Mais quand je vous dis vraiment 2 gouttes, c'est que j'ai pas plus. Et en fait ben, ça me permet d'enlever au moins la couche collante. Ce qui fait que pour l'instant je garde ça. Je garde aussi ces ongles là parce que j'ai pas assez de dissolvant pour tout m'enlever et pour me faire tous les doigts. Donc je refais vraiment au compte-gouttes si besoin. D'ailleurs celui-ci il est à moitié abîmé. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez, je sais pas, là il est à moitié abîmé, je sais pas si vous allez voir. Là, il est un petit peu abîmé par rapport aux autres. Enfin bref, en attendant, ma petite manucure, elle me plaît comme ça. Et du coup, quand j'aurai retrouvé du vernis, éventuellement je changerai de couleur, mais en attendant, j'attends patiemment ou impatiemment les autres vernis. Tout ça pour vous dire que je vais vous laisser là, parce que je vais rien faire de plus. On va juste attendre Chouchou et après on va passer à table et après il y aura plein de trucs à regarder. Je crois que j'ai un montage plus ou moins à terminer, donc on va voir où est-ce que j'en suis. Mais Minouche, tu sors de là, pas quand on est à table, tu montes pas sur la table. Bref, je vous fais des gros bisous parce que là, je suis un peu dépassée. Je vous fais des bisous et on se revoit très prochainement. À la prochaine.